Je m'appelle Jean-Philippe Brossillon, je suis éleveur de vaches limousines sur la commune de Rogny. L'installation a eu lieu il y a 30 ans maintenant. Ces limousines, aujourd'hui, il y en a 90 mères limousines. Il y a tous les veaux avec elles, et il y a également quelques taureaux et des génisses de renouvellement. Ce sont des vaches qui n'ont encore pas mis bas. Donc il y a environ 250 animaux en tout. Pourquoi la limousine? Parce que la limousine, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une vache allaitante. Le veau reste avec la mère pendant 9 mois. À l'issue des 9 mois, on sépare le veau de la vache de façon à ce que la mère refasse un nouveau veau. Donc normalement, toutes les vaches sont faites pour faire un veau tous les ans. Je m'appelle Monique Brossillon. Donc je suis salariée à la ferme avec mon mari Jean-Philippe Brossillon. J'ai développé un atelier de ferme pédagogique avec Bienvenue à la ferme. Donc on reçoit des groupes, alors principalement des scolaires, mais aussi des relais assistantes maternelles, des centres de loisirs, tout type de groupe qui veut s'informer sur ce qui se passe dans nos fermes, comment on élève nos animaux, comment ils sont nourris, etc. C'est des journées qui ont beaucoup de succès parce qu'on répond directement aux questions. Le public repart avec certaines connaissances et des réponses à leurs interrogations. C'est l'occasion pour nous de montrer ce que l'on fait, ce que l'on produit, et aussi de faire voir des vaches au public. On a toujours plein de questions sur comment sont nourries les vaches, la façon dont on les élève. Donc ça, c'est des choses qui pour nous sont importantes de faire découvrir au grand public ce que l'on fait. On vous donne rendez-vous au Salon Ferme Expo le 19, 20 et 21 novembre de cette année. Et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera auprès des limousines.